Je ne puisse pas. Les adultes portent toujours un toast avant de manger. Mais à quoi ça sert? Et puis quel toast d'abord? Je ne vois pas de tartine! Ici Flood RMS pour la 21e partie du Let's Play Random Pokémon Pearl. Dans la fois précédente, nous avons traversé la route 214 et humilié quelques dresseurs qui étaient bien plus faibles que ce qu'il y avait sur la route pluvieuse et aux alentours. Mais par contre, il y a des Darkrai sauvages dans les hautes herbes. C'était spécial. Et puis là, sûrement, vous vous demandez où je suis. Je suis là où on a battu la dernière fois la Team Galaxy avec notre cher assistant du professeur. J'avais remarqué qu'on pouvait entrer dans le bâtiment. Et il y a un petit objet devant nous. Qu'est-ce que cela peut bien être? Une idée? Eh ben la 1602 vole. Enfin, j'ai pas d'oiseau. J'ai pas d'oiseau, cas d'oiseau. Non. Ça, je me pourris. J'ai pas d'oiseau, cas d'oiseau. Je me demande quoi ça sert. Ça veut dire que c'est un chemin qu'on peut monter, mais en fait, non. Ah ça, c'est une grande vue, ça c'est dur sur Péri. Ah bah nous tout seuls ici. Centre commercial, ah carrément. Bon, on va faire étage par étage. On commence par le premier. Scooter, je me demande pourquoi. Jusqu'à 9999. Et pas au-delà, pourtant l'univers est fini. Ah, des boissons boosteuses. De 9800, c'est quand même cher. Hein. Des boosters en combat. Précision plus 950. Ça sert à quoi d'augmenter sa précision? Enfin, on va pas nous harceler avec... Bon, je le savais, c'était marqué dans la description, hein. Je suis pas cruche, hein. Je sais lire une description. Ça, c'est point de glace. Ça, je crois que c'est... Piste au point. Ça, c'est rempart corde. Ça, c'est boule armure. Ça, c'est danse plume. Ça, c'est essorage. Ça peut être amusant, essorage. Ça, c'est sport. Ça, c'est... Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est tour rapide. Ça, c'est aromathérapie. Ça, c'est tombe roche. Ça, c'est rayon gemme. Ça, je me demande ce que ça peut être. Vu le nom, ça doit être éruption, mais bon. Baisser la défense spéciale, ça m'étonnerait. Les poupées. Elles sont où, les poupées, Venimitos? Elles sont où? Elles sont où les Pokéballs et tout ça? Y'a pas des boutiques plus traditionnelles avec potions, tout ça? On dirait pas. Y'a pas de Pokéball. Y'a pas de boutique avec Pokéball, tout ça, ça viendrait bien. Bah apparemment y a pas de truc de Pokéball hein, c'est gênant hein. En plus ça te rend 3 plombs pour descendre 3 étages. Ah bah en fait si. Bon c'est vrai qu'on a tout. Les lettres, à quoi ça sert? Bon, 200 c'est plus rentable. Je
Je vais me procurer quelques hyper. Je m'en prends 5. Je m'en prends 6. Pas besoin de poké. Enfin, des pokéballs à ce niveau 23, 20, niveau 23, 25, c'est pas la peine. Hein. Bon, on va retourner par le sud, là où on a été. Puis, il reste un nouveau saut, il faut nous sauter dessus. Non, c'est pas la peine, je les ai tous affrontés. C'est vrai, quand on a affronté tous les dresseurs, ça va beaucoup plus vite. Il faut à peine 20 secondes pour traverser la route. J'ai coché. Je le sentais bien. Rive Lac Courage. Bon, avec ce qu'on aura devant nous, va falloir avoir du courage, hein. Ça va être l'heure de l'horreur. Pas mal. Je parlais de type vol. Bah justement, je l'ai, type vol. Enfin, faut pas l'éliminer, sinon ça sera gênant. Séisme. Un oiseau qui lance séisme. C'est quand même pas mal, à vrai dire. C'est vrai aussi, ils sont tous faibles à sol, hein, oui, quasiment tous. Bah, c'est vrai qu'ils sont quasiment tous faibles à sol, ils ont poison, donc... Et Lucarole... Bon, j'en tremble de peur. J'en tremble, hein. J'en tremble. Les statues, qui peut m'aider? Qui peut m'aider avec ces statues? Donc, Calicus, ça peut brûler. L'étincelle, ça peut paralyser. Mais les types volent, c'est pas la peine. Haussement d'épaule. Ultra performante, ça va être tout le contraire. Ça va être ultra boireuse. Oh, il est malade. C'est ça. Bon, c'est un deuxième Sora en fait. Enfin, Sora il a pas séisme là-bas, ni jet de sable. Ouh. Cet oiseau a du mordant. Cet oiseau a du mordant. Et ben voilà. Fallait forcer un petit peu, hein. Oh, c'est comme les femmes. Quand la boss est le Pokémon Big Boss, il demande à ses amis cornèbres de lui apporter à manger. Il passe son temps à se pomponner dans son nid. Et Corboss est idéal pour donner encore un autre nom Higo. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Bon, ceux qui sont sur Discord savent que y a un personnage de Arc 5 que j'adore. Qui s'appelle Shei Obsidian ou Kurosaki Kurosaki Shun en japonais. Et ce personnage-là possède des monstres bételés, de type bételé et d'attributs ténèbres, les Red Raptors. Donc on a un oiseau et qui est ténèbres. Donc, à votre avis, je vais l'appeler. Oh, c'est un nom beaucoup plus flatteur, hein. Que Venom. Venom, c'est bateau.
Kurosaki. Ça a mal, ça va, parce que c'est une femelle sur des Kurosakettes. Kurosakettes. Oh bah, c'est vrai qu'il est pas dans mon équipe, je peux pas m'envoler. Cours, Sonic. Bon, en 10 minutes, j'ai capturé un Pokémon et y'a rien eu d'autre après. Et j'ai récupéré une Céus. Et quoi, cette disposition de barrière? On dirait un labyrinthe. Et encore, faut que je retourne au Pokémon qui est à l'autre bout de la ville. Sont où les rollers là-dedans? Je sais qu'il y en a pas, mais où ils sont où les rollers? C'est Kurosaki, je l'adore déjà. On sait même pas qui c'est le PC de gestion de Pokémon. Déplacer Pokémon. Qu'est-ce que tu me vaux, toi? Brag! Assurer une nature. Insomnia, c'est pas mal. Comme ça, on évitera les berceuses et tout ça. Intimidation, crochifre, jet de sable, séisme. En fait, il est type sol. Toi, on va te mettre ici. Mais qui j'enlève? Oh, j'ai enlevé à qui? Bon, Aki m'aura quand même rendu quelques services. Je te donne à toi. C'est vrai que j'ai des objets attribués, j'y pense. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Du miel. Une boule fumée, ouais. Une mystique. C'est vrai que j'ai pas trop d'objets à pouvoir donner, hein. Enfin, j'ai des bébés, mais bon, bébés, c'est trop... C'est utile pour un petit soin en urgence, mais... Et puis aussi, bon, je pense à... Je dis de faire des trucs 2 minutes plus tôt, mais après, je n'y pense plus. C'est... 02 vol Kurosaki, pas à bon, bah normal, tout le monde est là. On va t'enlever jet de sable. Je me demande à quoi ça sert chez toi. Bon, juste pour rire. Métronome, qui peut apprendre métronome? Une abeille apprend métronome. Bon. Venom, c'est Pokémon à tout faire. Canicule, métronome. Ça ne sait pas trop. Donc à mon avis, c'était une attaque insecte à la 19. Ce sont des girouettes. Oh, on a changé de ton de... On a changé de luminosité en 10 secondes à peine. Hop, on va me laisser tranquille. Ça fait un peu plage des Caraïbes. Merci pour l'huile max. Et à mon avis, sur la suite, je vais trouver une pierre soleil. Donc Akiza... Que vais-je faire? J'ai encore égaré ma clé de chambre. La personnelle de l'hôtel sera furieux. J'étais sûr de l'avoir avec moi en quittant la réception tout à l'heure. On a... Bon. Il est temps d'appliquer ce petit objet magique qu'on appelle le cherche-objet. C'est lent la musique.
C'est gentil. Mais bon, il y avait qu'une moitié de jauge à récupérer pour Gong. Je pourrais passer une heure à chercher un truc. Que je force la porte. Notre restaurant ne se contente pas de servir des plats succulents. Il propose également d'excellents combos. Bon, ça risque d'être excellent pour cette brute de Venom et cette brute de Blooper. Comment fais-tu pour toujours deviner juste? Tu as vraiment le pouvoir de prédire les événements? Je suis convaincu qu'il y a des pouvoirs extrasensoriels, un truc comme ça. Et n'oublie pas que c'est mon équipier! Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Comment il s'appelle, lui? Togekiss, Togepi! Et Togetic, il est où? Oh, c'est faible! Les gens, vous êtes faibles! Moi, les gens faibles, je les punis à coups d'étincelles. Canon graine. J'aurais préféré Venom. C'est quand même pas mal, hein, vu le niveau des cartes. Des portables qui vibrent. Et là. Une sorte d'oiseau, c'est un oiseau ça. Canon graine raté. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Arco! Bon, tu sais quoi toi? Bombément critique l'a éliminé. Il doit être tellement frêle. Ma chance m'a abandonné. Quelle chance tu as! 3928, c'est gentil. Ce n'est pas de la prémonition, mais alors? Est-ce que tu viens du futur? Elle est blonde, elle, ça se voit. Wow, ces plats semblent succulents! Papa est un mauvais cuisinier, du coup on mange souvent dehors. Tu viens dans ce restaurant pour faire des combats de Pokémon? Bah, allons-y. Rigolons un peu. Mon dieu. Vous direz une geisha, l'autre. Ombrilex, Hippodocus, branche sol et sol. Oh, une Hippodocus fenêtre, c'est noir. Une noire, c'est mignon. Tempête de sable. Enfin, c'est vrai qu'Hippodocus, c'est mignon, mais j'ai pas de typo pour les gérer. J'ai que des types insectes de bourdon. Un type insecte de bourdon, bon, canicule, c'est pour pouvoir faire grand chose, mais bon. Ah, quand même. C'est pas très efficace, hein. Nya, 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 nya. Roulade. Oh, Venom. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est super efficace sur les insectes, la roche? Sport coton. Oh, Venom. Il est en train de se faire bizuter, le Venom.
Bon, je vais hypercuter un hippopotame, c'est pas très correct en soi. Bon, j'ai arrêté de faire des imitations pourries. Giga sans vue. Blooper se prend pour un type plante. Giga sans vue, c'est 60. Hypercute, c'est mieux. Même si c'est type normal, c'est mieux. 22 pour Kulo. Oula! C'est Venom qui va se rééliminer. Oh Venom. Je suis malade. Bon, j'ai Colossac qui séisse, mais c'est pas très recommandé avec un équipier. Bon, une valeur sûre. Bon. Ça a toujours été une valeur sûre depuis les 10 dernières parties. Ixi. Des pupus. Des pupus, Gong va les pourfendre. Parce que c'est son poulet. Pas vraiment mon portable, mais on se rapproche. Mais... Bon, on dirait qu'il met sa main gauche sur l'œil de Blooper. On flex. Ouais. Hein, c'est rigolo, les roues flex. Tu sais ce que t'as à faire, mon gars? C'est plus rapide des trois. C'est plus rapide des trois. Oh, 40% quand même. Sécrétion. Sécrétion. Bon, on a un Ronflex qui se prend pour un insecte. Blooper qui se prend pour un type plante. Kuro qui se prend pour un type sol. Ils se prennent tous pour... Ils ont tous des types qu'ils ne sont pas supposés avoir en fait. Bon, même avec sécrétion, il est toujours plus rapide. Oh, oh zut alors. C'est coriace. Hein. J'étais aussi avec mon pop-pop. 2167. Eh ben dis donc, j'espère que c'est pas ce qu'il paye au restaurant. Déjà rien, je n'ai jamais rien mangé de tel auparavant. L'effet de repousse se dissipe. Repousser les dresseurs? Toi? Selon mes calculs, le plat de résistance devrait déjà être là. Le niveau thermique est peut-être trop bas pour une cuisson efficace? Toi, battons-nous, ça fera passer le temps! Oniglali, ma choc. Akuro, il est devant lui. Kuro était devant, je n'avais même pas fait attention. Mais quel étourdi! Oh, il est trop vite. Une petite intimidation, ouais, ça aurait été utile pour calmer certains d'entre nous. Sécrétions lui aussi! Il y a des sécrétions partout! Un virus transforme tous les Pokémon en insectes. Enfin, ils ont tous des attaques insectes. C'est la nouvelle mode 2017. Bon, c'est à 50%, 60% sur Cloud Rock. C'est un peu too much, hein. Siège de Rock. Oh, en v'là des stratèges. Des stratèges. Des stratèges. Des stratèges. Picanon.
touché deux fois. Même trop au plus haut. Coup de langue, un type combat. Je sais que les coups de langue sont particulièrement défensifs. J'en ai déjà fait l'amère expérience. Je vais espérer le neutraliser. Onde vide. On s'en va. Intimide-le. Non, dans Higo, je suis pas sûr que Kurosaki est si intimidant que ça. Hein. Il est peut-être un peu froid, mais pas intimidant. Quand même la moitié. Je n'avais pas prévu ce résultat. Tu sais, j'avais confiance en moi avant que tout ça ne commence. 2112. Bon, on va récupérer au moins un cas 11 000 Pokédollars. Le code de résistance a été servi pendant qu'on combattait. L'apport calorique a l'air pour le moins alarmant. D'accord. Bon, c'est Sora qui va passer devant et pas Kyolo parce qu'on ne sait jamais. Toi? Aujourd'hui, j'avais commandé un jus, une glace, un gâteau. Et aussi... Oh, salut Dresseur! Tu veux faire un combat de Pokémon avec nous avant ce délicieux repas? Qu'il en soit ainsi! Ouais, le maire! Ah, c'est gagné! Oh, c'est vrai que ça monte pas haut! On était à 25-27 et on est à 23 points seuls! Je ne sais pas comment je peux m'occuper d'eux. Rock boulet, ça a l'air mal pour le Sora, ça. Ça va faire mal. Bon. C'est ce que j'appelle... Sora vient de se faire prendre un pain, là. Qu'est-ce qu'on peut dire ainsi? Et Booper pourra le rejoindre. Pourquoi je parle au plus? Rayon chargé! Raté! Elle est où la malchance? Eh ben, elle est ici, hein. 90 de précision, je rate. 90 de précision, je rate. Bon, moi j'ai éliminé une menace, je me plaindrai pas. 24 pour Kudo. Gros feu! Raté! Drac au feu! Heureusement qu'on n'avait pas Simia Bras et Typhlosion. La situation se serait un petit peu compliquée. Toi, tu fais bourdon sur Welmer. Toi, tu fais rayon chargé en espérant que ça ne rate pas. Non, je pisse avec mon nez. Avant, je faisais pipi avec ma main, maintenant, je fais pipi avec mon nez. C'est vrai que c'est long. Et les canons, ça va faire mal. Et dire qu'il rate encore... Bizarrement, ce sont les plus forts qui tombent. Gros feu! Ah non, j'allais faire le coup de l'attaque directe, comme la partie précédente. Bon, le coup du Carole s'est pris directement 40% sans condition. J'ai pas d'attaque roche, Aminerie.
Bon, moi je peux faire piste au point, c'est priorité. Je peux vraiment rien charger en essayant que ça passe. Ah, c'est pas très efficace, mais c'est quand même correct. Au feu! Maintenant c'est Luc Harold qui va se faire piétiner. Ça fait moins bizarrement. Je parie que ça va rater, je sais pas pourquoi. Non, j'ai pipé que ma main. Waouh, tu es incroyable. Personne n'est blessé. On dirait qu'il y a eu un attentat là pour 1804. Je ne pisse pas. Les adultes portent toujours un toast avant de manger. Mais à quoi ça sert? Et puis quel toast d'abord? Je ne vois pas de tartine. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait penser à moi ça. Avoir toujours les choses dans le mauvais sens. Allez, j'espère que ça va être facile. Miam, le chef a flambé ce plat à la perfection. Mes papilles se régalent de ses arômes et de ses saveurs divines. Tu nous lances un défi au beau milieu du repas? Pour un dresseur aussi jeune, tu ne manques pas d'audace. J'aurais dit quelle impolitesse! Quelle impolitesse, ils vont couler les deux. Coxy, vol tendre. Oh, c'est plus accessible. Bon, j'ai cru l'océis, mais bon, il y a Gong à côté, donc ça va faire très mal. Non, c'est pas la peine, pourquoi je fais séisme? Yeah, Goxy est immunisé contre les séismes, les types vol. T'es sûr que ça marcherait sinon? Poudreuse. Maintenant, c'est Kulo qui va se transformer en iceberg. Pour si peu, ça va faire mal. Bon, je crois qu'il a perdu 3 points de vie, mais bon, ça suffit quand même pour le transformer en bloc de glace. libérez-moi qui dit. Bon, Kulo s'occupe de tout le monde au moins. Bon, on a un iceberg de niveau 30. C'est pas mal quand même. Mais bon, on peut rien lui faire. Nidoqueen. Là, le séisme est justifié, même si Gong va s'en prendre un petit peu. Coup de main. Poudreuse. Maintenant, c'est Kulo qui va se faire congeler sur place. Ça en jette à froid. Pauvre esprit. Iceberg, on peut rien lui faire. Clash. Ouf. Bon, Gong il encaisse super bien quand même. Bon, vu le niveau, c'est normal aussi. 25 pour Kulo. Il a gagné moins 3 niveaux depuis que j'ai capturé. Et tente d'apprendre cruel. Oh, c'est plus traditionnel. Qu'est-ce que je vais enlever? Je ne sais pas du tout. Gros givre, j'en vais enlever parce que c'est Sora en fait. Salamèche. Bon. On ne change pas de stratégie gagnante, hein. Il est dégelé, c'est pas mal.
Ça aussi, c'est pas mal. Oh, l'espérance qui gagne, Kuro. Bon, c'est un peu superflu en soi, mais bon. C'était au cas où Kuro ne serait pas dégelé. J'ai perdu la note, s'il vous plaît. Je mets 0. C'est si jeune et pourtant si robuste, c'est remarquable. 8200. C'est la roue de la fortune, en fait. Ah, le repas comme le combat était un enchantement. Vous allez me laisser, vous. Et j'ai rien gagné. Vous aurez pu me donner quelque chose, quand même. Ah, bonjour. Bon, il est 19h22, je crois qu'on devrait dire bonsoir plutôt. Bon, ça fait spécial d'arrêter la partie. Avant ça aussi. Une potion. Oh, c'est mieux que rien, sinon j'aurais pu penser après. 9h42. 9h42, je capture Kurosaki. Que ça prend 3 plombes. J'aurais été plus vite avec une safe state, hein, mais bon, c'est pas très correct. Donc, je ne sais pas, dans les parties précédentes, je me pensais à compléter avec un type vol, et comme Ténèbres vol, c'est pas mal pour renommer un Pokémon Kurosaki, j'ai pensé à Kerbos, et hop, il est venu vers moi. Enfin, un peu de forcing, ça, un peu de forcing était nécessaire pour le capturer, mais bon, ce Kurosaki, il fait peur à tout le monde avec séisme, intimidation. Et puis vol aussi, donc on y est. Gong a atteint le cap symbolique du niveau 30. Mais par contre, Sora et Blooper... Et Sora, Blooper et Venom ont souffert un petit peu. On va surtout se roquebouler, car Mikawa en a un coup, le pauvre Sora. Donc on va continuer notre route, vers direction vers champ. Bah, à bientôt pour de prochaines aventures. Et de prochaines humiliations.